premier, le frère Ronald et puis la sœur Lucrèce. Thank you.
On va demander à quelqu'un de très particulier de prier ce soir. On va demander au pasteur Serge s'il peut. Il est là, on va le demander de prier. Amen. Gloire à Dieu, tout le monde. Est-ce que nous sommes contents pour Patrick et Johanna? Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour eux. C'est avec une très grande joie que nous venons célébrer l'Éternel avec eux et nous voulons bénir leur mariage. Amen. Si nous pouvons juste tendre nos mains vers eux et ordonner la bénédiction du Seigneur Père éternel dans le nom de Jésus, nous venons bénir ton nom, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, pour le don du mariage éternel des armées. Nous prions que tu déverses ton esprit sur Johanna et sur Patrick, Seigneur, que tu guides, Seigneur, leur cœur, leurs pensées, leurs émotions, Seigneur, afin que, Seigneur, leurs actes, Seigneur, soient toujours dirigés par ton esprit, Seigneur. Nous venons bénir leur mariage, nous venons bénir chacun des jours de leur vie, Seigneur. Nous venons bénir chacun de leurs pas, chacune de leurs pensées, chacune de leurs décisions, Seigneur. Nous venons bénir leurs émotions pour demeurer sous le contrôle de ton esprit éternel dans le nom de Jésus. Papa, nous nous élevons contre toute autorité, domination, prince des ténèbres, force du mal qui pourrait s'opposer à ce mariage, Seigneur, contre toute voix humaine qui pourrait essayer de les déstabiliser. Nous les renversons au nom de Jésus, Seigneur. Nous commandons la bénédiction financière, matérielle, la santé, Seigneur, dans leur vie, au nom de Jésus. Nous prions que ton règne vienne dans leur vie, Seigneur Jésus, et qu'aucune action humaine, qu'aucune pensée humaine, qu'aucune force des ténèbres, qu'aucune hauteur, aucune profondeur, Seigneur, ne prévale jamais contre leur mariage. Nous ordonnons, Seigneur, qu'ils soient féconds, qu'ils se multiplient, Seigneur, et que ton œuvre prospère entre leurs mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Allô? Parfait. Est-ce que c'est une belle soirée? Oui. Oui, ça commence bien, n'est-ce pas? Oui. Voilà, on va continuer. On va continuer avec la suite du programme. Alors, Frère Patrick et Sœur Johanna, avant votre arrivée, on a un petit peu parlé de vous. On a glissé des petits mots par-ci, par-là et tout. Vraiment, c'est surprenant ce qu'on peut apprendre des fois et tout. Mais inquiétez-vous pas. C'était très gentil, ne stressez pas, vous saurez tout. Vous saurez tout, ils sauront tout, n'est-ce pas? Oui, ils sauront tout. Donc en fait, on a décidé de vous faire un cadeau avec toute l'assemblée. On va vous faire un cadeau. Maintenant, ça va être facile pour la sœur Johanna, mais pour Frère Patrick, j'espère que tu as appris tes leçons, quoi. Donc tu vas essayer de nous dire qu'est-ce qu'on a dit. Donc vous êtes prêts? Oui. Voilà. Alors, Oyenga. Oyenga. Belfalo. Oyenga. Oyenga. Oui. Belfalo. Qu'est-ce qu'on a dit, Frère Patrick? Oyenga, c'est une joie ou une. Le deuxième, je pense.
Ah, si tu le dis, peut-être c'est aussi vrai. Moi, je ne suis pas bédie, donc c'est possible. Mais on m'a dit que ça voulait dire heureux mariage. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est toujours bon à prendre. Si tu le dis, c'est bon. Applaudissements pour le marié. Il connaît quand même sa langue. C'est une bonne chose. C'est bon, c'est bon. On ne t'a pas oublié, sœur Johanna. On ne peut pas t'oublier. On ne t'a pas oublié. On a quelque chose pour toi aussi. Vous êtes prêts? Alors, félicitations. Moins espérer que mariage ou a bien passé. Alléluia! Non, c'est trop facile, donc je ne vais pas te demander qu'est-ce qu'on a dit, mais dis-moi quand même. Dis-moi, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, félicitations. Félicitations, j'espère que ton mariage s'est bien passé. Amen, amen, amen. On a des personnes qui apprennent leur langue, c'est une bonne chose, c'est très très bien. Donc merci à vous vraiment, applaudissez pour vous, vous êtes vraiment un très très bon public là, de bons invités, on aime ça. Amen, amen. On va continuer la soirée ce soir, on a des parents qui sont très honorés, très contents d'être ici. On va les inviter pour nous dire, pour dire quelques mots aux mariés. Donc on va demander premièrement à la famille, le frère Patrick, donc le frère Cyril et la sœur Francine. Donc ils vont venir pour juste donner les vœux aux mariés. Amen. Amen. Le mot de la famille, on applaudit la famille du frère Patrick. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je représente la famille Somba. Et comme je disais à mon père tout à l'heure, le père de Patrick également, que j'appréhendais beaucoup un peu ce moment-là, de pouvoir les représenter et devoir faire un discours, parce que je suis pas habitué à le faire et je me sens pas forcément toujours à l'aise de pouvoir passer un grand public. Mais aujourd'hui, c'est un grand événement. Il faut marquer le coup et nous sommes dans la joie. Nous sommes à la joie parce que le Seigneur a accompli encore une fois des merveilles dans notre vie, dans la vie de notre famille et dans la vie particulièrement de Patrick, que vous connaissez tous. Donc Patrick, nous sommes une famille de 5 enfants. Patrick, c'est le dernier né, donc c'est le Benjamin. Et donc avant lui, bon, il y a trois garçons, une fille, donc tous mariés. Donc il a eu l'occasion de voir un peu à travers de nos yeux ce qui est le mariage, comme le pasteur disait tout à l'heure, là, avec le bien-aimé, l'exemple de la moustiquaire. Ceux qui sont dedans qui veulent entrer, ceux qui sont à l'extérieur, bon, ceux qui sont à l'intérieur qui veulent sortir et ceux qui sont à l'extérieur qui veulent entrer. Donc il a eu l'occasion justement de voir un peu tous les aspects de la vie du mariage. Et donc, je pense que par la grâce de Dieu, il est très bien préparé aujourd'hui. Nous avons eu l'occasion, nous, de faire la connaissance de Johanna, je pense que c'était l'hiver dernier. Donc, nous avons pu partager déjà de bons moments avec elle, en famille, de la connaître, de pouvoir également apprécier un peu la personne qu'elle est, dans une personne assez extraordinaire qui nous a fait découvrir également des mets d'Haïti. On a déjà eu l'occasion en fait, de pouvoir partager cette vie de famille. Et aujourd'hui, tout ce que je peux dire en tant que représentant de la famille, en étant également une famille ayant eu une éducation chrétienne, c'est de pouvoir toujours avoir le regard porté vers Dieu, vers Jésus-Christ. Je pense que c'est Ecclésiaste 4:12 qui dit « Seul on est fort, à deux, on est résistant, mais la corde à trois fils ne rompt jamais. » Et on sait que le troisième fils, c'est Jésus-Christ. Et donc, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que Jésus-Christ soit la fondation de ce couple et qu'il les bénisse grandement et qu'il bénisse le mariage. On va passer maintenant à la famille de la sœur Johanna. Donc on va demander au frère Ronald et la sœur Lucrèce de venir juste de dire quelques mots à Amen. Comme mon frère, je ne suis pas un beau parleur. Donc
En plus, lui, il était avisé, moi, je n'étais pas censé prendre la parole. Donc, j'ai toutes les excuses du monde. Donc, on m'a chargé pour dire quelques mots au nom de la famille et pour formuler nos voeux à ceux, au plus jeune couple de la salle, on peut dire. Mais bien avant, j'aimerais prendre le temps de féliciter Pasteur Kaka Kawozi. Je pense qu'il était sous inspiration aujourd'hui. Donc, toute la gloire va à notre Dieu pour ce beau message qu'il a délivré pendant la circonstance. On était vraiment édifiés, Pasteur Kawozi. Que le Seigneur bénisse votre ministère. Alors, revenons à nos moutons. Et j'aimerais prendre le temps, ne serait-ce que quelques secondes, pour saluer l'arrivée d'un nouveau chef parmi nous. Donc, je demande à Patrick de se mettre debout. C'est le dernier des chefs de la salle qui vient d'arriver, le dernier, mais pas le moindre. Il est un chef à part entière puisque le Seigneur l'a dit, il est chef. Et un chef qui se voue, qui se dévoue pour avoir tout le temps le contrôle de sa troupe. C'est ça un chef. Un chef qui est prêt à se sacrifier. À la manière de Jésus, comme le pasteur l'a dit dans son message, un chef qui est prêt à donner sa vie pour sa famille. Donc, heureusement, Jésus est déjà monté à la croix. Donc, tu n'auras pas à passer par la croix. Mais, tu demeures un chef. Juste pour te mettre dans le contexte de ce qu'un chef signifie. Tu es jeune. Tu es appelé à évoluer socialement. Donc, tu peux être invité à participer à une soirée sociale. Tu es chrétien, donc tu dois faire la différence. En plus que tu es un chrétien, tu es un chef de famille. Ça va aller? Ok. Il va survivre. Rassurez-vous. C'est un jour de fête aujourd'hui. Donc, oui, donc on disait que... Oui, être chef, c'est tout le temps être en contrôle de ta troupe. Tu es dans une soirée. Mettons, tu as 2 heures. J'ai pris cet exemple parce que c'est quelque chose que je viens de vivre récemment. Un couple qui a été à une soirée et le monsieur, le père de famille, le chef, il buvait. Ça m'a attiré l'attention. Il buvait de l'alcool. J'ai dit, mais vous êtes à 2 heures de chez vous. C'est comment vous allez faire pour entrer? C'est qui va conduire? Il dit, oh non, rassurez-vous. Donc, je me suis entendu avec ma femme, c'est elle qui va conduire. Est-ce que c'est l'attitude d'un chef, ça? Non. Un chef doit être en contrôle de sa famille. J'ai été à Niagara Falls pour des vacances, ok? Concours de circonstances a fait que j'ai fait une crise d'hypoglycémie. Donc c'est pire que si ton sucre monte. Quand ton sucre baisse. Donc mon taux de sucre a baissé, donc on a dû m'amener en urgence à l'hôpital à Niagara Falls. Donc j'étais vraiment presque dans le coma. Donc le médecin a décidé de me mettre sous une sorte de drogue légale. Donc j'ai dit non, ne me mettez pas sous cette drogue parce que j'ai 5 heures de route à faire pour rentrer à Cornwall, où est-ce que je vivais.
Le médecin m'a dit, mais est-ce que votre femme est là? Elle conduit, non? J'ai dit, oui, elle conduit, mais j'aimerais ça être en contrôle. Même si ma femme peut conduire, mais je demeure le chef de la famille, donc je dois être en contrôle. Donc c'était juste une petite anecdote pour vous dire c'est quoi ta responsabilité vis-à-vis de ta famille. Pas seulement Johanna, de tout ce qui va venir après, selon ce que le Seigneur en décidera. Alors, au nom de la famille Johanna, on veut remercier coronavirus qui a fait que c'est moi qui représente la famille. Parce que normalement, son père devrait venir, mais les ambassades sont fermées en Haïti, donc il n'a pas pu renouveler à temps son visa. Donc moi, j'étais en voyage et je suis resté coincé au Canada tout le temps du confinement, donc ce qui fait que je suis encore là. Donc j'ai pu participer à cette festivité. Alors, ça c'était pour le chapeau de la famille. Alors, Johanna m'a demandé de prodiguer certains conseils en la circonstance. Je me sentais un petit peu seul, donc c'est pour ça que j'ai cherché secours. Bientôt 30 ans de mariage, donc. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas partager mes 30 ans de mariage avec vous, parce qu'on doit passer à autre chose. Mais toutefois, cela n'empêche pas que je partage certaines de mes expériences, pas expériences, de. Johanna et moi, on s'est parlé récemment. Elle m'a questionné sur certains sujets. Donc, qui m'inquiète? Bon, en tout cas, peut-être que c'est dans mon rêve que j'ai vu ça. Elle m'a parlé. Elle m'a dit que tout le monde veut lui faire croire que le mariage est seulement rose. Donc, elle est un petit peu inquiète. Est-ce que c'est vraiment ça? Alors, elle m'appelle Onkoro. J'ai dit, ben, ça dépend de à qui tu as parlé. Donc, si tu as parlé à des frères à l'église, que veux-tu qu'ils te répondent? Si ce n'est que le mariage doit être rose. Donc, si tu vas dehors, tu questionnes le monde, peut-être que la réponse sera différente. Donc, tu as questionné tes frères, tes sœurs, cela va de soi que toutes les réponses convergent vers le rose. Et je vais te dire pourquoi. Alors, je vais vous dire pourquoi. Vous avez gardé votre pureté pour la gloire de Dieu. Amen. La pureté est symbolisée par le blanc. Jésus-Christ est mort pour nous. Son sang a été coulé. Donc son sang mélangé au blanc, ça donne du rose. Applaudir parce que c'est une vérité. J'aimerais dire autrement que mon frère qui m'a précédé, c'est écrit, ok, malheureusement c'est écrit dans mes notes. La corde qui ne se rompt pas. Donc, c'était prévu dans mon speech de parler de la corde qui ne se rompt pas. Prenez une corde à une branche, ça se rompt facilement. Ajoutez-en deux, c'est un petit peu plus difficile. Mais rassurez-vous, je ne suis pas un mathématicien. Mais c'est exponentiel la force qui augmente quand
la troisième branche s'unisse à la corde. Et la troisième branche, vous savez c'est qui? C'est Jésus. Amen. Donc, la seule et unique façon que vous pouvez ajouter cette branche à votre corde, c'est en restant à genoux. À genoux ne veut pas dire marcher à genoux. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Prier tout le temps. Non. Mais c'est de mener une vie de prière à deux. Prier seul, c'est bien, mais à deux, c'est mieux. Ceux qui prient ensemble, ils restent ensemble. C'est pas logique, c'est pas, ça ne vient pas de la logique des humains. Et c'est Dieu qui le dit. Si vous priez ensemble, vous resterez ensemble. Ça, c'est incontournable. Un. Deuxièmement, vous aurez des discordes, ok? Cela ne veut pas dire que c'est sombre. Vous êtes deux personnalités différentes. Vous aurez des divergences et c'est bien, ça va renforcer votre capacité à rester soudé. Mais le clou de la chose, n'allez pas au lit sans prier. Et pour prier, il faut que votre esprit, vos esprits se concordent. Il se pourrait que vous soyez encore en désaccord avant de prier. Il n'y a aucun problème à cela. Si je me trompe, pasteur, reprenez-moi. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez être en désaccord sur un sujet, mais vous savez que vous devez prier ensemble quand même. Parce que le Seigneur sera présent dans vos prières et si vous l'invitez, vos divergences, ils vont s'évanouir, à coup sûr. On parle de concession à gauche et à tort et à travers. Par exemple, si vous voulez acheter une voiture, vous allez où? On va chez le concessionnaire. Mais moi, personnellement, à mon âge, je ne vous dirai pas, ok? Ça reste elle et moi. À mon âge, je ne comprends pas pourquoi on appelle les vendeurs d'automobiles des concessionnaires. Ils sont tous sauf des concessionnaires. Alors, laissez-moi vous dire ce soir, les amis, Johanna et Patrick, vous venez de rentrer dans le rang des concessionnaires. Pas à la manière des vendeurs d'automobiles. Parce que je ne dirai jamais qu'ils sont des voleurs. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ils ne sont pas des voleurs. Ils sont des vendeurs d'automobiles, mais ils ne sont pas des concessionnaires. Je sais que vous êtes des high-tech, donc vous allez faire le devoir pour moi, arriver à la maison, avant de faire n'importe quelle autre activité. Ok? Avant n'importe quelle autre activité, fouillez dans votre dictionnaire et voyez ce que dit le Larousse à propos des concessionnaires. Vous êtes des concessionnaires aujourd'hui. Le Seigneur a fait de vous des concessionnaires. Un concessionnaire, c'est celui qui est prêt à concéder ses droits. Ne serait-ce que pour un moment, pour résoudre un litige. Donc, vous allez apprendre à faire des concessions. Johanna veut faire des concessions. Patrick veut faire des concessions. Bonne chance. Parce que vous en aurez à faire. Et pour enchaîner, j'aimerais vous parler d'un fléau qui ronge les mariages. Le fléau se trouve là. Vous voyez? Vous voyez, les amis? Le fléau se trouve là. Je ne sais pas comment vous gérez vos finances.
Mais moi, depuis que je me suis lié en mariage avec ma côte perdue, on n'a qu'un seul compte. Elle ramène à la maison $3,000, je ramène à la maison $1,000 le mois. Ça donne quoi? À elle ou à moi? À nous, à la famille. Il y a un autre fléau, et l'autre fléau est juste devant vous, la société. Ils exigent beaucoup de vous, mais ils n'ont rien à donner. Mais par contre, il faut savoir prendre tout le temps la situation du bon côté. Johanna, tu es une jeune dame mariée, la plus jeune de la salle. Tu as des parents, tu as des amis, tu as une vie sociale. Tu ne peux pas t'en passer. Donc si une amie, un ami sollicite de l'aide financière de toi, tu as l'obligation de refuser. Parce que tu n'es plus seul, tu es en famille. Tu ne peux pas t'arroger le droit de prendre une décision sans le consentement de Patrick. Même si Patrick est le chef de la famille, lui aussi, financièrement parlant, il n'a pas le droit de prendre des décisions tout seul. Une jeune fille arrive, Patrick, est-ce que tu peux m'emprunter $500, je te les rends la semaine prochaine. Garde ça entre toi et moi. Désolé. Moi, c'est Johanna, Johanna, c'est moi. Je ne suis pas en train de vous dire que de devenir mesquin, ce n'est pas ce que je vous conseille. Tout ce que vous le faites en accord avec votre aide. Tu es chef, mais le Seigneur t'a donné une aide semblable. Donc, tu dois écouter ton aide. Tu dois écouter ton adjointe parce que le Seigneur l'a placé à tes côtés pour ce genre de situation. Je vais finir avec la note la plus importante. Johanna, Patrick, efforcez-vous au prix de grands sacrifices de préserver l'intimité de votre couple. Vous pouvez apprécier votre pasteur autant que vous le pouvez. C'est bien. Vous le devez respect, c'est un ministre de l'Évangile. Le Seigneur l'a placé. Mais il y a des trucs intimes entre vous deux. C'est l'autre partenaire seulement qui a le droit de savoir, c'est le ciel. Il y a des choses qui sont dites qui ne pourront pas être ravalées jamais. Ce qui est dit que l'effet arrivera à coup sûr. Johanna, je sais que tu m'aimes, tu aimes ton homme. Il y a des choses que tu ne dois jamais me dire. Vous voulez acheter une voiture, vous voulez des conseils techniques, pratiques, consultez nos aînés, vos aînés que je suis. Consultez, on est là pour ça. Mais il y a des trucs intimes. S'il vous plaît, gardez-les pour vous deux et votre associé céleste. Que le Seigneur bénisse abondamment votre mariage.
rendez-vous dans 50 ans pour nous donner des détails. Ben, merci. C'est de bons conseils. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour Papa Ronald? C'était un très très bon conseil. Amen. Alors, qui a faim ce soir? Qui a faim de nourriture, la nourriture physique? On pense, je pense pas qu'il y a grand monde qui a faim. Hein. Personne n'a faim. Ok, on peut parler du thé sinon là. Ok, on continue. Sa nourriture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim ce soir? Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Est-ce que quelqu'un aime le ndolé? Quelqu'un connaît le ndolé? Voilà, il y a du ndolé ce soir. C'est beau. Est-ce que quelqu'un aime le riz collé? Ce soir, donc les mariés nous ont préparé un très beau menu. Je vais vous en parler un peu. Alors, on remercie le Buffet Soleil de nous accueillir ici ce soir. C'est une très très belle salle et ils ont préparé pour nous. En fait, on peut applaudir plus fort que ça. Je crois qu'on est quand même bien installé. Ils s'occupent très bien de nous. Donc, ils nous ont prévu un buffet. Donc, il y a des bouchées. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, ça doit être bon certainement. Il y a des assortiments de fromage. Il y a de la salade, il y a de la poitrine de poulet. Il y a aussi du riz. Et puis, à côté, il y a des mets vraiment des mets de chez nous, quoi. Donc, ça va aussi être sur la table. Donc, comment ça va se passer? Covid oblige vraiment pour les déplacements. On va devoir porter nos masques. Et on va aller se servir table par table. Ils vont mettre des personnes qui vont vous servir, mais on va appeler les tables et au fur et à mesure, on pourra se servir. Donc, on va tous se servir. Soyez juste patients. Donc, avant de commencer, on va d'abord remettre le repas au Seigneur. Donc, je vais inviter le pasteur Abou. Si le pasteur Abou peut nous conduire dans la prière pour le repas. Alléluia. Prions tous ensemble. Amen. Alléluia. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te remercions encore une fois pour l'opportunité que nous avons, Seigneur Jésus, de prendre part à ce beau mariage, Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alors que nous venons maintenant pour partager ce repas, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de le bénir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Papa, à le prendre avec amour et simplicité de cœur, Seigneur Jésus. Nous te prions de te souvenir, Seigneur, de ceux-là qui n'allons pas, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne, nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Donc, si on peut avoir une belle petite musique de fond, on va commencer avec la table des mariés. Quelque chose, avec son masque, hein?
tu peux l'enlever à la table, il n'y a pas de problème. Tape un peu plus fort, il n'entend pas. Tape plus fort. Sur la table, sur la table, pas sur le verre, sur la table. Un petit bisou. Encouragez-les. Un bisou. Mais c'était un peu rapide, hein. On n'a même pas. Non, t'as pas encore. Un bisou. Un bisou. Amen. Les bouchées continuent à être servies, donc vous pouvez déguster votre repas. Encore une fois, et ça le reste en arrière si vous en avez besoin. Et passez une belle soirée.
We
que le service a déjà commencé pour le buffet. La table d'honneur est en train de se servir. Donc, quelques petites consignes. Quand vous allez venir pour prendre votre nourriture, n'oubliez pas votre masque. Et on va vous demander de rester assis jusqu'à ce qu'on demande à votre table de se servir. Amen. Donc, vous allez tous avoir de la nourriture. Et la nourriture pour tout le monde. On n'aura pas multiplié 5 pains de poisson ce soir. Ok? Il y en aura pour tout le monde. D'accord? Donc, on va juste être patient et table par table, on va aller. Des photos, et puis il y a le livre d'or qui circule quelque part. S'il y a des personnes qui n'ont pas fait les vœux au marié, ils peuvent l'écrire. Merci. Yeah.
Your blessing.
Thank you.